Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Make-up Halloween. Donc, comme d'habitude, la première étape, c'est on met une base et celle-ci vient de chez Make-up Forever. Comme vous voyez, c'est la verte. Ensuite, seconde étape, on met donc la BB crème de chez Prose, la même que d'habitude. On poudre le tout. Puis Laura me fait un contouring assez marqué, un peu sur tout le visage comme vous pouvez le voir. Ensuite Laura me met un blush rosé, donc elle exagère bien parce que voilà, c'est un make-up d'Halloween, hein. Ensuite, on utilise la merveilleuse palette de chez NYX, donc avec les highlighters, et elle utilise donc celle qui est un peu bleu-violet. On met la base à paupières de chez Too Faced. Ensuite, elle me met un fard de la palette Makeup Forever, il me semble, je ne sais plus trop si c'est celle-ci ou pas, ça ressemble vachement à l'highlighter d'ailleurs. Un petit coup de colle pour camoufler le sourcil. Puis Laura trace les contours de la carte avec un crayon noir. Elle commence à remplir la carte avec un crayon blanc gras. Puis pour beaucoup plus d'opacité, elle utilise la crème blanche de chez Primark. Et ensuite, elle poudre le tout avec la poudre blanche de chez Claire's. Avec un eyeliner de chez Yves Rocher, elle commence à faire les petits dessins, donc le cul pour Queen et les carreaux. Puis elle repasse avec l'eyeliner Yves Rocher sur les contours de la carte, puisque ça a un petit peu estompé à cause du blanc. Puis avec une peinture rouge pour le corps, elle remplit tous les carreaux. Puis elle utilise ma fameuse palette de chez Tati qui nous aura vraiment bien aidé. Donc elle utilise un fard rouge pour commencer le dégradé sur mon œil de la carte. Puis elle dégrade dans le creux avec un fard noir de la palette Sleek. Elle en met également sur mon ras de cils inférieur. Puis comme vous avez vu en début de vidéo, elle avait commencé à faire cet œil-là, mais bon là elle le termine en dégradant avec du noir. Elle n'avait pas encore fait mon sourcil, donc là elle le fait avec un fard marronné comme d'habitude. Elle met du crayon noir dans la muqueuse. Ensuite, elle me met de l'eyeliner, donc celui-ci c'est l'eyeliner de chez NYX, c'est le Epic Ink. Elle me met ensuite une base sur les lèvres parce que vous allez voir, on a besoin de les camoufler. Ensuite, elle me met du fond de teint donc sur l'intégralité des lèvres. Avec un crayon noir, elle commence à me tracer le carreau. Elle me remplit ce petit carreau avec la peinture rouge. Elle repasse les contours avec l'eyeliner de chez Yves Rocher. Un petit peu de mascara avant de passer aux faux cils. Ensuite, Laura me met donc les faux cils de chez Primark. Puis la petite touche finale, on met des paillettes donc sur tous les carreaux. Donc ce sont des paillettes roses et d'autres argentées qui viennent de chez Make-up Forever. J'espère vraiment que ce make-up vous a plu. Il sera donc en duo avec le prochain. Donc je vous laisse maintenant avec le résultat. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao !